m'appelle Luis Huertas, je suis né en Colombie et maintenant je suis québécois, je suis francophone. Pour moi, le plus beau mot de la langue française, c'est le mot papillon, parce que ça évoque la beauté et aussi la liberté de se promener partout dans le monde en français. Je m'appelle Shruti Sachdeva, je suis de l'Inde. Moi, le plus beau mot de la langue française, c'est bien sûr « bonjour ». Ça veut dire que vous passez une très bonne journée. Je m'appelle Ai Nakamura, je viens du Japon. Le plus beau mot de la langue française, pour moi, c'est l'amour. Parce que c'est mon prénom en japonais, c'est la vie, c'est la paix. Je m'appelle Julie Fuchs et je suis originaire de l'île de La Réunion. Si je devais décrire en quelques mots le Québec, je dirais que j'ai été vraiment très sensible à l'art de vivre, qui m'a vraiment atteint ici, qui m'a vraiment beaucoup touchée, au travers du partage des gens, de la créativité individuelle qui est vraiment encouragée. Je me nomme Ahmed Araïta Ali, je suis de Djibouti. Que pouvons-nous faire pour la langue survivre? Faire ce que l'on fait aujourd'hui ici, se retrouver, en parler, mettre en valeur. Un proverbe de chez moi dit que celui qui parle sème et celui qui écoute récolte. Il faut s'aimer un peu partout et s'aimer dans le deux sens du terme aussi. Je suis Rada Hachem, je viens du Caire, Égypte. Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire pour promouvoir le français et l'aider à survivre. C'est l'enseignement, les établissements qui enseignent le français dans tous les pays du monde. Je suis Anne-Claire de France. Comment je décrirais la ville de Québec en deux mots? Ce qui m'a frappé, c'est que c'est extrêmement propre et c'est rangé. Tout est droit, tout est propre, il n'y a rien dans la rue. Bonjour, je viens de l'île Maurice. Pour que la langue française survive, je pense qu'on doit trouver plus de plateformes comme si pour les jeunes s'exprimer. Un bel exemple d'un médium innovatif, c'est le slam. Mesdames, messieurs, accueillez chaleureusement l'orchestre de la grande réunion du directeur maestro Jean-Philippe Tremblay.